Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 124 de notre aventure 100% sur Super Mario Odyssey. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué tout simplement notre quête dans les trouve-ballons. On avait acheté plusieurs costumes, il nous en manque un total de 4 à acheter, au cas où, plus les lunes. Acheter, on est à 900 lunes, si mes souvenirs sont bons, sur les 999. Voilà, donc vraiment, on progresse d'une violence, on progresse d'une manière très violente. Donc du coup, aujourd'hui, on continue trouve-ballon, tout simplement, parce que, souvenez-vous, la précédente fois, on avait réussi, grâce au ballon que nous avons caché il y a 2 épisodes de cela, à avoir les derniers rangs de cache-ballon. Donc on avait obtenu les 25 000 pièces et les 800 tentatives d'autres joueurs. Donc du coup, maintenant, on s'en occupe plus et on s'occupe uniquement de trouve-ballon. On avait bien avancé, en tout cas, on était passé de 61 ballons trouvés à 79, donc 18 ballons, un solde de 18 ballons. On va tenter d'en trouver également plus aujourd'hui. En tout cas, ce serait bien qu'on en trouve plus aujourd'hui. Et on va peut-être même gagner des rangs un petit peu. Parce que, regardez, on est bientôt en pièces obtenues. On a bientôt obtenu des 20 000 pièces. Donc, c'est déjà bien. Donc, voilà, ça serait bien qu'on avance. Il nous manque que 9 petits rangs à avoir pour compléter ce 100% au niveau de la chasse au ballon. Et il me suffira juste du coup. Je sais pas si. Est-ce que j'aurais eu déjà toutes les lunes ou pas. Mais sinon, l'objectif est du coup la chasse au ballon, les lunes. Et enfin, les 9999 pièces, comme ça je combats Bowser avec le full set. Et puis voilà, on est tranquille. Allez, c'est parti, trouve ballon. C'est parti pour trouve ballon. Alors, oui, j'avais oublié lui. Attendez, mais le ballon il est différent là, où il est caché. Donc on va le faire. Ouais, c'est parti. Allez, go. Il t'a pas caché là la dernière fois. Tac tac tac. Et ben voilà, c'est parti. On y va. Et ben voilà. Ça c'est fait. Ça c'est achevé. Bon ça démarre plutôt bien. Voilà, parfait, parfait. Oh, Beef Boss. Pour bien avoir 72, 80, pardon. Bien sûr, 72. Trouve ballon. Ok. Raymond. Qu'est-ce qu'y a-t-il dans les Ardères? Oui, voilà, exactement. Non, j'ai peut-être confondu d'émission. 40 secondes. Ouais, je sais. Par contre, il faut que je me souvienne de la trajectoire. Donc, ça devrait pas être très compliqué. Que, évidemment, tenter le truc à l'aveugle sans prendre le contrôle du machin là, je sais pas comment on appelle, mais le genre de moi ou je sais plus comment, pas de moi, mais de statut assez bizarre. Allez, go, je sens donc avoir que un maximum de pièces. Oui, toujours des pièces. Donc là, c'est le moment où en fait, je sais pas du tout. Ok, donc. Ok, ça va, j'ai eu de la chance. En fait, je crois que c'est de l'autre côté, je crois que c'est ce côté qu'on peut atteindre cette plateforme là. Ça fait tellement longtemps maintenant que j'ai pas joué au jeu, donc du coup je sais pas du tout. Et voilà, et félicitations, tu es passé au rang, au prochain rang supérieur, donc enfin au rang supérieur du coup. Tu empoches 1050 pièces. Yes, 42. Plus tu montes de rang, plus tu gagnes de pièces. Alors du coup, 13 secondes, c'est possible. Ok. Alors, question. Il est où précis? Il est. Quel coup? Là. Ok. Oh le bâtard. Pas bien ça. Merci. Quand même. Ouh, il a caché quand même dans un endroit très pute. Hein. Dans un endroit très très pute. Ok, ok. Et Raymond, non, du coup, Marvin. Marvin, il est derrière le truc, donc non. On l'a déjà fait, je crois, Marvin, donc du coup, c'est pour ça. Buddy. Ah, lui, on l'avait jamais fait, je crois. Ouais, là où il est placé, on l'avait jamais fait, lui, en tout cas. Allez, go. C'est parti.
Je fais ça parce que ça permet au cas où d'aller un petit peu plus vite que de pas le faire en fait. Donc c'est pour ça que je martyrise le truc. C'est aussi pour gagner des pièces, mais au cas où en faisant ça, ça permet d'aller un petit peu plus vite, quelques frames plus vite. Donc c'est pas foufou hein, mais ça peut gagner quand même une seconde sur la durée quoi. Une seconde c'est pas rien. Après vous dites ça à quelqu'un qui tasse, donc bon à partir de ce moment. Ok. Voilà, c'est parfait. Ok. Ok, alors lui je l'ai jamais fait. Ok, il est là. 40 secondes, ça devrait aller. Ça devrait vraiment aller. Allez, viens. Merci. Tac. Ok. Attention. Non. Oh. Oh, c'est quoi cet input? Oh, honnêtement, je pensais que je passais. Oh, je suis dégoûté. Du coup, j'ai pas l'enchaînement des pièces. C'est vraiment chiant. C'est pas grave, on va recommencer. Là, c'était juste vraiment une... Putain, j'ai dégoûté. Ok. Par contre, là, du coup... 1, 2, 3, c'est parti. À partir de maintenant. Ok. C'est parfait. Oui, je récupère en même temps des pièces, comme ça. Ça permet d'avoir un petit bonus de... Petit bonus de temps, hein, tout simplement. Ok, il n'est pas négligeable. Hein. Voilà. Alors lui non. Du coup, pro gamer. Rien que son nom, je ne l'aime pas déjà. Pourquoi 285 mètres? Il est où précisément là? Attendez, mais pourquoi pro gamer? Il est où là? Ça veut dire monter. À mon avis, il est peut-être caché derrière là-bas, mais ça a l'air chaud quand même, non? J'ai besoin de monter, ça va être chaud, hein? On va tenter, hein? En plus, le prix de la partie... ouais, non, c'est pas... J'ai pas envie. Le prix de la partie, ça fait un peu mal au cul. Par contre, Hercule, y a pas de souci. Oui, pas de souci. Allez, go. Voilà. Non. Ok. Allez, go. C'est là-bas normalement. Alors, il faut le trouver. Hein. 32, 20, quelques. Il est là. Il est bien placé. Hein. C'est vraiment le ballon où tu peux foirer si tu perds du temps, quoi. En fait, faut vraiment anticiper sa position. Lui alors. Oh bah d'accord. Il va pas non plus être très difficile, normalement. Ah oui, mais putain, oh mais je crois toujours que c'est comme dans d'autres Mario, là. Oh merde, oh par contre, je crois que j'ai été un petit peu con. Ça va passer, oui ça passe. Ça passe, même large. Parfait. Bon bah ça c'est fait. On progresse, hein. On progresse. Sinon, il n'y a pas le choix, hein. Hercule, non, The Cude. Enfin, The Cude. Comment tu peux prononcer ça, The Cude? C'est pas... c'est sérieux? Non, mais c'est... Il a glitché. Ou peut-être on peut aller par là. Et après, on descend. Attendez, hein. Attention, il n'y a pas le choix, hein, mais... À mon avis, ça va être... très compliqué cette histoire. Voilà, en fait, il a fait ça. Oh, c'est chaud. T'as écoulé. Je sais où il était, mais oh, comment il a caché là? C'est impossible. Non, un autre ballon. Moi, il a mis dans un endroit assez glitché. Par contre, toi, je te veux bien. 13 secondes. Ouh, 13 secondes pour aller là-bas. Ouh, ça va être chaud ça aussi. Hein.
Et ça, 7 secondes. Mais 7 secondes pour aller là-bas au fond. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment speedrunner le truc, quoi. Ok, bon, ben, Philippi. Y a plus de personnes en fait. Voilà. Y a plus de personnes en fait. Parfait. Des violents quand même ce crash. Je pense que vous pouvez être impressionné. Alors, non, pas Hercule, par Kevin, Julien. Julien, il a bien placé, hein. Mais bon. Bon, on va. Je pense que le plus rapide, c'est par là. Je pense, honnêtement, on peut pas aller. Enfin, on peut aller au sol, mais. Je me demande si le plus rapide, ça serait pas ce chemin. Surtout. Parce que là, après, on va pouvoir couper en travers champ, donc c'est ça qui est bien. En plus, on va pouvoir gagner quelques pièces, donc. Là, par exemple, là, on voit. Non, là, en fait. Tac, c'est assez tricky cette histoire. Voilà. C'est assez. Assez what the fuck, mais bon. C'est fait. Allez, go. Tac, 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 tac. Ok. Je crois que je t'ai jamais fait, toi. Il me semble que je t'ai jamais fait. Allez, go. Yep. Yep. Hop. Non. Ok. Oh, what the fuck. Ok, d'accord. T'as quel manque de chance. Ok. Ok. On monte, Voilà, c'était chaud. C'était chaud, par contre, de monter comme ça. On aurait pu y aller à pied, mais... C'est long. À pied, c'est long. Ok, c'est un Jap. Ok, d'accord. En fait, là, il y a plusieurs façons. Bah, en fait, la meilleure façon, c'est d'aller par là, quoi. Hop. Hop, allez, go. Hop. Et ben voilà. Ça, c'est fait. Bon, on commence bien. Attendez, en fait, il y a ma fille qui est en train de regarder un truc là-bas. Je sais pas quoi, mais bon, ma foi. Je sais pas. Oh, ça, c'est bâtard, ça, par contre. Tac, tac. Seven, ok. Allez, go. On le voit d'ici, je crois. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis daltonien de base, donc les couleurs, c'est vraiment pas évident. Merci. Ok. Merci. Toi, tu m'aides bien, tiens. Allez, go. Merci. Voilà. Bon, bah, c'est pas non plus très compliqué. Mais trouve à l'appel là, c'est bien. Ok. On va aller voir un petit peu où on en est. Ok, ballon trouvé. Il nous en manque 8 juste pour atteindre Laurent, ce serait bien. Jacques. Au secours! Non, c'est pas ça. 24 secondes. Mais je sais pas où il est précisément. D'accord, je le vois. Je crois qu'on en a fait un ballon similaire, mais il n'était pas à cette position là. Il n'y a pas aussi peu de temps en fait. Donc. Ok. Ok. Attention. Ok. C'était chaud ça. Oula, attention, viens ici. Merci. C'était chaud ça. C'était très ambitieux. Voilà.
Gold School. Ok, on l'a pas fait lui. Avec le petit icône de Zelda Legend of Zelda Twilight Princess, en tout cas, ça ressemble à. Bah, c'est simplement une des illustrations qu'il y a sur la boîte du jeu. Par contre, je sais pas. D'accord. Vous allez pas me la faire une deuxième fois, celle-là, par contre. Tiens, il est où? Ok. Merci! Ah, vous n'allez pas me la faire une deuxième fois quand même. Ok. Apollo. Apollo? J'ai pas fait lui, hein. Allez, go! Ok. Hop, ça c'est fait. Tac, tac. On va mettre statistique. 95. Trouve ballon. J1. Ok, on l'a pas fait lui. On le voit d'ici en plus le ballon. L'Altonia, mais quand même, n'abusez pas quand même. Faites un maximum d'efforts. Tac. Ça c'est fait. Ok. Alors lui on l'a jamais fait. Ça, il est pas caché dans un endroit très pute. Vous sentez qu'il est dans le ravin vu que la flèche est vers le bas. Est inclinée vers le bas. Attendez, mais il est où? Oh putain, oh non, me dites pas que c'est un des ballons à la con là. Voilà, c'est un des ballons à la con, j'en étais sûr qu'il glitchait. C'est une honte de faire ça, c'est incroyable. Putain, c'est un des ballons à la con qui est glitché. J'imagine, oh, qui est là-dedans, je... Ça c'est con par contre, de l'avoir mis là, c'est incroyable. De base, ce n'est pas prévu d'aller là. Mais non, on va prendre un autre. Putain, sérieusement, de base, on n'est pas censé aller là. C'est ça que je comprends pas, quoi. Il a changé de position de ballon, donc... Logiquement, il est compté comme unique. Ok. Merci. Tac, tac. Ma statistique. Allez, il nous en manque 3 à trouver. Et après, on peut arrêter la vidéo. Kevin, Jacques, non. King, Sia. Ok, King Sia. Allez, go. Ah là 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 là. Pas bien de perdre du temps comme ça, c'est pas très gentil. Allez go. Il nous reste 20 secondes. Un peu plus maintenant. Ok. Et ben voilà, parfait. Ça c'est fait, tac, tac. Boomstick. Oh, par contre, lui, toi, je t'ai jamais fait. Ok, là où il est caché. Après, on en fera un dernier et on s'arrêtera là. Tac. Tac, tac, tac. Hop. Merci. Ça, c'est fait. Bon, ben, on les enchaîne. On va faire un petit dernier. Hercule, non. Tyler. Ok. Il est sur la plateforme un petit peu plus secondaire. Même pas, dans le vide. Enfin, presque dans le vide. Sur le truc du sable mouvant. Bon, c'était pas non plus très difficile. Et du coup, on a le rang supérieur, tout simplement. Et voilà.
Tu as passé, félicitations, tu es passé au rang supérieur. Tu as pas acheté 1100 pièces. Merci. Alors, combien? J'ai peur. J'ai peur. Le pire est arrivé. Le pire est arrivé. Oh putain. Oh, oh non, mais là, les gens, on est passé de 79 ballons à 100. C'est-à-dire 21. C'est-à-dire 20 par épisode. Imaginons. 120, un épisode. 120, 140, deuxième épisode. Enfin, donc ça fait 124, 126. Épisode 127, 160. Épisode 128, 180. Donc, épisode 128, normalement, on aura ce rang-là. Et après, qu'est-ce que ça va être? 300? Non, mais on va mourir, en fait. En fait, je vous avais dit 150, mais les amis, on va les dépasser, les 150. Ah, c'est clair qu'on va les dépasser, les 150. Je vous le dis. C'est clair. Déjà, l'objectif trouver, enfin, des pièces obtenues, on va l'avoir en premier. Ça, c'est sûr, un des deux. On va l'avoir en premier. Mais bon, c'est... Oh, ils abusent. Bon, ben, en fait, on aura normalement toutes les lunes et tout ça. Donc, logiquement... logiquement, on aura tout. Putain, oh, ils abusent. Non, mais vous avez vraiment... Oh, putain, mais vraiment... Bon, ben, ça fait maintenir le let's play, hein. S'il y a un Mario Odyssey 2 plus qui sort bientôt... ça maintiendra le 1 le temps 2, hein. Même le temps que le 2 arrive, en fait. Bon, ben, on va acheter des costumes encore. Toujours, toujours, toujours des costumes. Casque de pilote de course. Casque à emporter en conduisant pour avoir l'impression d'aller plus vite. C'est bien ça que tu veux, j'achète. Ouais. Bien, plus tard. Alors, prochain. Tenue topper. Copie bon marché d'un costume sur mesure sans la carotte et les promesses non tenues. C'est bien ça que tu veux, j'achète. Ouais. Bien, plus tard. Bon, donc du coup, ça veut dire que là, il nous manque que deux costumes à acheter et les lunes, tout simplement. Donc vraiment, on commence à être très très bien en termes de costumes et tout ça. Il nous manquera juste les lunes à acheter. Donc là, normalement, la fois prochaine, on peut logiquement acheter les deux costumes. Voilà. Bah, en même temps, ça va être c'est ouf de se dire qu'on va peut-être atteindre les 1000. Et mille trucs. Par contre, honnêtement, c'est bien gentil, mais est-ce que... Je vais aller voir un truc. Est-ce que dans le pays du Royaume Champignon... En fait, mon pays préféré, c'est vraiment le Royaume Champignon. Et j'aimerais voir si, du coup, dans ce Royaume Champignon... Est-ce que dans ce Royaume Champignon, les ballons sont fils de pute ou pas? Je sens que oui, parce que de base, c'est un royaume assez périlleux. Où il y a des platforming. Donc... Mais c'est pour me faciliter au niveau des lunes à récupérer, quoi. Faisons un peu de lecture, non, c'est pas ça? Oh, je l'ai pas eu cette fois-ci. Royaume Champignon, Château de Peach. Ah, parce que là, on peut d'ores et déjà acheter... on peut acheter 10 lunes, en fait. Pourquoi pas mettre à jour le truc, hein? Écoutez, on va mettre à jour le truc, on va acheter 10 lunes. Hein. Allez, go! Salut! Alors du coup, on va acheter 10 soleils, du coup. Soleil du Royaume Champignon. Une soleil de puissance qui fait des apparitions régulières dans le Royaume Champignon. C'est bien ça que tu veux, j'en achète 10. Voilà, comme ça au moins, à droite, ça me permettra de monter un petit peu la vidéo, quoi. Et voilà, vous gagnez une étoile à faire en or au château de Peach. Ok. La carte. Château. Attendez. Ah oui, effectivement 31. Ok. Bon bah du coup on va pouvoir les stocker. Tous ces fameux soleils. Boum. Et ben voilà. Ouais, parce que comme ça au moins ça prouve qu'on avance. Je veux juste voir si les ballons ici. Donc on va en faire que un. Voir si les ballons ici sont des fils de pute ou pas. Sinon on revient dans le pays du sable, des sables, tout simplement. Alors ok, donc j'imagine qu'il est derrière, c'est le plus facile. Sans les positions en fait des joueurs. Alors il est sûrement dans l'eau, vu la flèche où elle montre. Il y a elle. Ok, on le voit d'ici. Akeno.
Ah, il faut monter tout en haut. Ah oh, oui, ça c'est bâtard par contre. Et ok. Et là, il faut monter tout en haut. Ok. On va tenter un petit. Celui-là est le mieux. Et on va tenter. Voilà. On le fait juste une fois. Ah, c'est bien, on a vu le chien en plus, d'accord. Comme si le truc était pas assez cheaté de base en fait. Ok. Parfait. Bon, la tête du truc. Bon. Allez, on arrête là. Quittez. Oui, quittez. Et ben voilà les amis. Bon, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. La fois prochaine, ben on continue. Trouve ballon, tout simplement. Il nous manque 7 rangs. J'espère. Je crois que c'est 6 rangs ou 7, je sais plus. Ouais, il nous manque 7 rangs, donc on continuera tout simplement, trouve ballon, hein, dans lequel nous tenterons d'avoir ben, le maximum de rangs, même si on l'aura pas la fois prochaine, hein, je vous le dis. Mais voilà, on continuera, et logiquement, je pense que la fois prochaine, on pourra acheter tous les costumes. C'est honnêtement faisable, hein. Je pense qu'on pourra acheter tous les costumes, donc voilà, comme ça au moins on progresse, on avance. Et peut-être même des lunes de puissance, comme ça, et ben, il nous suffira juste de farmer de ouf. Les pièces, et une fois qu'on aura, et j'imagine qu'on aura toutes les pièces, donc du coup on fera un maximum de trouve ballons pour avoir tous les rangs, et ensuite on partira bah, en direction de Bowser tout simplement pour bah, finir sur l'écran le secret ending, donc la fin secrète du jeu. Et puis voilà, bah, en tout cas on avance, on progresse petit à petit, l'oiseau fait son nid, et je vous dis bah, du coup à l'épisode 125 dans lequel bah, on fera ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, hey, peace.